C'est le style des mineurs, les mineurs en Andalousie, surtout du côté d'Almeria, mais dans tous les endroits où il y a des mines, La Union, Almaden, des mines de charbon. Almaden, c'était du mercure. Ils sont tous, c'est fini maintenant, le mercure. Voilà, donc c'est un style un peu... Thank you.
Thank you.
de nous. Bon, un style de Malaga s'appelle malagueña. Mais ce n'est pas la malagueña salerosa qui est mexicaine. C'est un chant mexicain de fameux. Malagueña, c'est un style de Malaga. Thank you.
de mon temps, vous pouvez dire, il était chanté très souvent, Farruko. Mais la danse est toujours... Ça fait mal, hein? Un peu. Désolé, mais non, mais on est bien, là. Ça sent bon, ce coup. Oui, la danse est encore très dansée. Et c'est un style qui est proche d'un style d'Argentine. Et je commence, je mélange un peu la milonga, que les flamencos ont adopté d'ailleurs au début du siècle dernier. Waouh! Oui, voilà, c'est ça. Et dans les années 20, mais de l'autre siècle. Waouh! Alors, les Andalous ont adopté le style de milonga. Et maintenant, il est retombé un peu en désuétude. Les danseuses aiment danser la milonga, avec un châle, avec un... Il y a des styles qui deviennent à la mode et d'autres qui disparaissent. C'est comme ça, c'est le... Thank you.
style maintenant, qui s'appelle Petenera. Et c'est une... Federico García Lorca a écrit trois très beaux poèmes sur la Petenera. Alors, la Petenera, je le raconte un peu plus long, parce que c'est la Petenera, c'est une, la Paternera, une femme de Paterna. Tout ça, c'est les musicologues qui l'ont bien mis sur papier. Cette femme de Paterna, c'était il y a maintenant un siècle et demi, quoi. Et elle était très, très belle, une jeune femme très belle, et l'homme qu'elle aimait l'a abandonnée, voilà, lâchée. Elle était très triste, mais andalouse, donc furieuse, et elle a décidé de se venger, sur tous les hommes du coin. À Paterna. Paterna, c'est une petite ville de Cadiz, de la province de Cadiz. Et elle avait ce qu'il faut pour ça. Et ça a été un chaos à Paterna de la Ribera. C'était une femme fatale, en somme. Qui te puso Petenera, no supo ponerte nombre. Te debía de haber puesto la perdición de los hommes. Qui t'a appelé Petenera n'a pas su te nommer. Il aurait dû t'appeler la perdition des hommes. C'est tout. Alors moi j'ai pensé quand même, sur le tas, là, j'ai fait pour ma fille Clara d'ailleurs, qui me demandait une musique, j'ai pensé que la Petenera, avant d'être la femme fatale qu'elle était devenue, que la vie l'avait amenée à devenir, elle avait été une petite fille, gentille, comme toi par exemple. Pardon. Elle avait été une petite fille voilà. Et donc j'ai voulu commencer la Petenera, et je la finis aussi un peu, avec une berceuse pour la Petenera enfant. Et puis après je joue la Petenera, ça se gâte un peu.
vais vous la poser. À la fin, j'aime revenir sur le thème de la... Mais est-ce que c'est... Est-ce que je ne suis pas très sûr. C'est-à-dire, je vais vous dire, on peut le résoudre ensemble, peut-être. Je finis avec ça. Rester là-dessus, ou bien reprendre. Je ne veux pas dire, bien arrêter là-dessus. C'est pas vous qui allez m'aider. Je me débrouillerai tout seul. Je sais pas. J'aime le faire, mais je ne suis pas très, très sûr de mon affaire. Moi, je trouve que c'est super. Ouais. De finir par la personne. Dis-moi. De finir par la personne. Tu es pour. Oui. 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 Si tu veux, je pense qu'au moment de la mort, on revient un peu, on se rapproche de l'enfance. Oui. C'est ça que j'ai pensé. C'est touchant. Je la garde. Oui. Je la garde. Sincèrement, je vais vous poser la question. Oui, donc vraiment, ça s'est dit comme Soléa. Alors, Soléa, c'est à peu près l'heure, c'est ça que tu veux dire? Tu veux me chasser? Je reviens. Il y a peut-être des chevaux qui vont arriver. Non, c'était beau hier. Alors la Soléa, c'est le style, on l'appelle la madre del cante flamenco. La mère du chant flamenco. Le flamenco, c'est avant tout le chant, puis la danse. Et la guitare est venue beaucoup plus tard. Donc c'est un style fondamental. Thank you.
musique que j'ai pas encore joué en public. Enfin, en... voilà, je l'ai joué en privé, dans un public d'amis, et puis après je l'ai joué dans un public plus nombreux. J'ai voulu rendre hommage à Georges Brassens, et je joue une fiesta pour Bouleria. Une fiesta, ça c'est le nom du style, que j'appelle le gorille. Vous allez... J'espère que vous y retrouverez un petit quelque chose. C'est... Bon, d'accord. Je vais dire, c'est pas au poil, vous allez le voir. J'entends pour... Je crois, je sais pas ce que c'est un réfrigérateur, j'imagine, pour le vin. Faut respecter. C'est pour le vin.
C'est sacré. Mais par contre, je n'ai pas joué depuis très longtemps, ça. Ah, peut-être là. Ça sera peut-être pour vous.